la faiblesse. Moi, j'ai vécu, et je suis sûr que tous les médecins l'ont vécu au début. Des gens qui connaissaient qu'ils avaient le sida, ils ont eu la faiblesse de ne pas pouvoir le dire. J'ai connu des gens qui sont venus des pays où le sida était endémique, qui sont revenus ici, qui se sont mariés et qui sont repartis. Laisser des femmes qui ont le sida, c'est une de ces femmes, je vous dis cette histoire-là, moi-même je l'ai vécue. La femme, j'ai eu à la soigner d'un problème chirurgical. Et c'est pendant ce problème chirurgical que je me suis rendu compte qu'elle était atteinte de sida. Mais je lui ai dit, mais madame, vous êtes atteinte de sida, il faut faire attention. 2 mois après, elle revient me voir et me dit, j'ai une faiblesse, je veux me marier. Je lui ai dit, tu ne peux pas te marier, ma fille. Tu ne peux pas te marier, tu n'as pas le droit de te marier. À ma grande surprise, 6 mois après, elle revient me voir pour me dire qu'elle était mariée. L'homme est resté, il est parti. Elle est décédée 2 mois après. Et l'homme a su qu'elle était décédée du sida. Je ne peux pas vous rendre compte quel problème familial c'est devenu à ces gens-là. Nous, on a 0,6% de prévalence de sida, mais on a quelque chose de pire. Parce que c'est une maladie qui ne fait pas parler d'elle, qui ne fait parler d'elle qu'une fois que les complications sont là. Vous ne l'avez pas vu, nous sommes dans des structures de santé. Combien de familles ont été, je dis bien, décimées par l'hépatite virale? Nous avons aujourd'hui plus de 12%, les dernières statistiques qu'on a fait, de gens qui vivent avec de manière chronique d'hépatite virale. Elles sont transmises, les hépatites virales ici sont transmises par la voie sexuelle à grande majorité chez nous. Dieu nous a donné la chance d'avoir de la connaissance. Vous savez, vous ne pensez pas qu'il nous a donné la chance de nous donner une arme pour nous prémunir de ces maladies-là? Nous avons 100 femmes, 500 femmes qui meurent pour 100 000 naissances. Nous avons les enfants qui meurent avant 5 ans parce que nous avons 11% de nos femmes qui sont infectées. Et vous voulez qu'on se taise? Nous n'avons pas peur de l'arbre. Qu'est-ce qui va nous faire peur de l'arbre? Si nous n'avons pas peur de Moulane qui est devant nous, nous allons avoir peur du l'arbre. Une religion qui est mondiale, qui est partie du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Vous croyez qu'on va avoir peur, nous, parce qu'il y a tel qui nous dit. Personne ne nous dit. Ce qui nous dit, c'est ce que nous voyons devant nous. C'est nos femmes qui meurent, c'est nos enfants qui meurent, c'est nos enfants qui sont là, qui ont de la drogue. C'est une réalité et ça va monter parce que c'est de la mondialisation. Si on ne fait pas une santé scolaire, on n'éduque pas nos enfants, on ne fait pas de la vaccination à outrance, on n'éduque pas nos femmes, on ne fait pas de telle sorte que nos femmes ne meurent pas en donnant la naissance, qui va nous le faire à notre place? Personne. Mais la famille, quand on ne la protège pas, on n'en aura jamais de pays. Et la protection de la famille, c'est la première protection pour avoir un pays sain dans le futur. Et ça, je ne dirai pas tant que je suis là, tant que le gouvernement est là, en tout cas moi, tant que je suis là, ministre de la Santé, en élément de la santé, je ferai tout. Et c'est notre rôle, c'est le rôle que vous nous avez donné. Notre pays nous a enseigné, notre pays nous a envoyé partout. Il n'y a pas un coin dans le monde qu'on n'a pas fait. Et c'est le rôle, notre rôle de protéger notre population, c'est notre rôle d'éduquer notre population, c'est notre rôle de dire à vous, élus du peuple, que vous devez... On ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on fasse une loi qui encadre tout ça. Et il n'y a rien de cette loi qui puisse nous interdire d'aller protéger notre famille. Et je vous remercie parce que tout a été dit.